Bien, salut tout le monde, c'est Rafou. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le cinquième épisode de la série sur Pixelmon. Donc, vous avez vu au tout début que j'ai raté beaucoup de légendaires et j'ai réussi à en avoir un. C'est Latias. Donc, voilà, j'ai raté des Lugia, des Latias. Voilà, ça spawn encore. Donc, là, on est en slash freeze parce que vu qu'en ce moment je bug pas mal avec Mako, le fait que ça soit en slash freeze, je bug moins, donc c'est pas mal, donc je vais faire ça pour l'instant. Donc là il y a je pense que c'est Celebi qui a respawn, hein, parce que je vois pas de Rayquaza, mais je crois pas que Rayquaza, j'ai déjà vu spawn Rayquaza, mais je sais plus c'est quel message quand il spawn. Ouais, bon, c'est pas très très grave. Ouais, bref. Non, je trouve pas. Bref, c'est pas grave. Il y a aussi un truc assez dommage. C'est que Pixelmon n'aura plus de... Donc, l'administrateur de Pixelmon a dit sur leur site qu'il n'y aura plus de mise à jour de Pixelmon. Donc, voilà, ils vont arrêter la... Ils vont arrêter Pixelmon. Donc, je pense qu'on pourra toujours télécharger. Sauf que, voilà, il n'y aura plus de mise à jour dessus. Je crois, j'ai bien compris que c'est Pokémon Company qui leur ont demandé d'arrêter. Du coup, bah voilà, ce sera la dernière version. Donc après, moi j'espère que c'est un problème qui va pouvoir se résoudre, mais bon, normalement c'est pas le cas. Donc voilà, il y aura plus de mise à jour de Pixelmon. Donc cette série là sera peut-être, je sais pas, la dernière de Pixelmon. J'arrête pas là. Donc je me suis dit, j'ai fait 90% de la première saison. Donc là je vais tout faire, je vais tout capturer, je vais essayer d'avoir tous les objets. Voilà, là c'est une série où on va essayer de tout faire à 100%. Voilà, on pourra build au pire quelques petits trucs. Mais voilà, dans cette série, ouais, c'est vraiment terminer Pixelmon à 100%. Histoire de dire, voilà, au moins on l'a bien terminé, on n'a plus de regrets. Voilà, donc c'est un petit peu dommage. J'aurais préféré que ça se passe autrement, mais bon, c'est comme ça. Parce que ouais, bon, pour moi, Pixelmon, c'était un très beau mode. Enfin, j'ai quand même fait... En fait, c'est Pixelmon C'est Pixelmon qui m'a vraiment fait aimer Minecraft, hein, parce que quand j'ai changé d'ordinateur, parce que genre, je jouais à Pixelmon Kanto à l'époque, dans les premières versions, et du coup savoir qu'on pouvait jouer à Pixelmon et tout, j'ai adoré, et du coup je buguais tellement que j'ai changé d'ordinateur spécialement pour ça. Et non, franchement c'était un beau mode. Dommage que ça se finisse comme ça. De toute façon, il fallait bien que ça se finisse un jour, malheureusement. Voilà. Après, je ne pense pas que ça peut se reprendre, parce que c'est pas n'importe quel mode non plus, c'est quand même un mode qui utilise des droits de Nintendo. Enfin, entre guillemets, après, plus personnellement, je pense de Niantic. Pas Niantic, Niantic c'est Pokémon Go. C'est pas Pokémon. Non, comment ça s'appelle? Je sais plus c'est qui. Game Freak, voilà. Donc, bon. On verra bien comment ça se passe. Donc, là, il y a un petit légendaire qui m'attend. Et j'ai drop aussi un Multi-X pour changer directement de sujet. J'ai une Tortankit, Elytra, Multi-X et quelques petits objets. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Celebi, tac, vas-y, fais un petit choc mental. Du coup, on va capturer plein de Pokémon. Enfin voilà, on va vraiment faire une série complète. Et puis voilà quoi. Hop. Oh, il fait mal. Je fais pas trop de dégâts. Ouais, un petit peu. Alors là, tiens, putain, il est aussi vague psy lui, c'est vrai. Je crois que lui fait un peu plus mal. Ouais, voilà. Un moment de coup. Encore un. Voilà, nickel. Hop, Evoluroc. Ça, c'est pas mal. Je l'avais déjà, je crois. Drop all. Evoluroc. Je sais plus c'est pour quel Pokémon. Mais. Nickel. Hop, un petit Poké. Hail. Alors. Attendez, du coup. Là, je vais vraiment faire une session capture. On va tuer Magikarp. Hop. Oh non. Ah, c'est vrai qu'en freeze, c'est un peu compliqué. Faut lancer le combat. Hop. Tac. Je
pense quand. Ah, je l'ai déjà? Ah oui, non, en fait, quand du coup vous avez vu que je suis sur le serveur avec la technique du freeze, et en fait en changeant les Pokémon, bah je crois que je me suis givré un Magikarp en même temps, un peu chelou. Bref, du coup là si je fais I, voilà, nickel. Avec une petite description et tout. Ouais, c'est dommage, t'as bien fait quand même, putain. Ouais. Ah ouais, le PC, c'est Alex qui me l'avait pris. Bah, il me l'avait pris pour une vidéo, du coup j'ai évité de me le remettre. J'ai un peu la flemme de me le recrafter. Au début, on devait faire une vidéo avec Alex il y a un jour ou deux, mais bah il buguait trop. Enfin, bref, c'est pas grave. Voilà, le Magikarp level 17. Ah, donc il avait jeté le Magikarp. Hein. Hop, donc il est level 17. Ah, il y a un petit terrier cendre et tout. Ah, bah attendez, je pense qu'on peut faire évoluer. Peut faire évoluer certains Pokémon, genre toi, genre le petit Hérissandre, pourquoi pas. Tiens, alors là il y avait encore un, voilà, un méga Tortank, histoire qu'il pexe pas mal. Hop, viens là, attends, puis un petit pois sirène dans le tas. Ah, hop, Hyper Ball. Alors, je crois que les pois sirènes c'est assez casse-couille à capturer. Ouais, c'est libéré. On va prendre. Je vais lui faire mal, je pense. Hein, si je fais. Contre. Ah, contre, normalement, non. Ça fait. Ouais, voilà. Contre, c'est très efficace. Moins t'as de vie, plus c'est efficace en fait. Du coup, ah, si je suis à 100% de vie, ça doit être une attaque vraiment merdique. Hop, en attente. Ouais, nickel. Goldeen. En plus, il a évolué. Ouais, il a évolué. Il a up. Ah, Magikarp, putain, je vais pas. Bon, bien sûr, je le one shot contre les Magikarp. Hop, Celebi contre. Non, pas contre Magikarp. Je sais que. Voilà, vous êtes impressionnant. Mais ouais, je suis juste contre un méga Tortank. Voilà. Donc maintenant, ça a changé. Je me suis renseigné sur le site. Maintenant, c'est plus rouge, bleu. Vert, rouge, bleu, machin. Ça a changé. Il y a toujours des peu communs. Enfin, ça a changé, genre les légendaires. Enfin, non, pas les légendaires. Les rouges, ouais, les rouges des légendaires, c'est 20 niveaux de plus. Et après, les 40 niveaux de plus, c'est en orange, apparemment. J'ai jamais vu de boss orange encore, mais. Voilà, ils ont un peu changé le système. Normalement, il est confus. Ok. Il va se faire un peu plus mal. J'aime bien l'attaque de Celebi aussi. Qui est don. Non, ouais, don naturel. C'est genre quand il meurt, je crois qu'il donne la vie. Enfin, il redonne de la vie à un Pokémon dans l'équipe, je crois, c'est ça. Ou une connerie comme ça, mais ouais, je trouvais ça sympa. Bon, hop, j'attaque le Celebi, c'est nickel. 11, 12, 13, 14, nickel. Vive attaque à la place de gros yeux. Parce que j'aime pas trop cette attaque. Drop all parce que j'ai déjà. Ah oui, c'est vrai qu'il évolue déjà. Nickel, un petit. Alors, c'est Hérissandre. Après, c'est. C'est Typhlosion le final, mais le celui au milieu, je sais plus. Ferrisson, ouais. Ferrisson, Ferrisson. Hop, non, voilà. Revient Ferrisson. Voilà, et revient Celebi. Ah, il veut pas revenir Celebi, tant pis. Pff, ouais, j'aimerais bien le tenter lui quand même, hein, parce que. J'arrive pas à les tuer ceux-là, putain. En plus, ça a 20 levels de plus. En fait, ouais, c'est chaud. Ah non, 30 levels, non, 20, je peux compter. Voilà, il one shot, ouais, il fait trop mal. Faut que je chope un gros Pokémon haut. Là, si je fais du vague psy. Moi aussi je le fais mal, mais. Ouais, encore. Non, non, c'est pas la peine. Ah putain, je peux pas faire retour. Ouais, c'est même pas la peine de continuer. Je vais me faire bousiller. Allez, c'est pas grave. Ah, là-bas. Hop. Attendez, on va faire aussi évoluer. Voilà. Moustillon. Alors, toi, rare. Bon, tu vas pas faire long feu. Ah, quoique, parce que vu que là, j'ai pas. Bon, normalement, si le Florizarre. Méga Florizarre, je trouve pas très très fort. C'est que mon avis. Peut-être qu'en strat, il est balèze, mais bon. Je l'ai pas forcément vu beaucoup en strat.
J'aime bien regarder des vidéos strat, genre Phil Drong et tout, j'aime bien. Regardez Azelma aussi il y a longtemps. Genre il est pas mort, abusé. Ah si, c'est bon. Hop. 72, nickel. Level 13, 14. Bim. Puissance, lanceur prend. Bon, c'est pas grave. Oh, deuxième ulti avec. C'est pas mal ça. J'ai de la chance. Par contre, toi, t'es. Ah non, je pensais que t'étais un boss. On va pas mettre sur les deux parce que là, du coup, ça va être divisé par deux et c'est pas très efficace en fait en termes de. Termes de production. Encore un mec à tortank. Ouais, ça. Il y a deux, je crois. Non, non, il n'y a pas deux. Donc là, c'est plutôt cool. Bon, par contre, j'attends mon Poké Heal. Voilà, c'est bon. Tchac. Ouais, bon, même si la co elle est revenue, elle est moins. Enfin voilà, elle reste quand même un peu dégueu. Allez, reviens s'il te plaît. Merci. Hop, choc mental. Ah, putain, c'est vrai qu'il est chiant. Bon, je vais faire que ça, hein. Choc mental, choc mental. Hop. Et choc mental. Au moins, si je peux le mettre mid life, bon, il va me tuer. Voilà. La chasse. Back psy. Ah. Ouais. En fait, je suis plus rapide. Non, il est plus rapide. Ouais, donc là, c'est chaud là. Ouais. Là, c'est très dur. Oui, voilà. Ah putain, ok. J'ai dit, je peux quand même tenter. Forte paume. Putain, ouais, moi bon, je peux fuir. Oui, je peux m'échapper. Mais normal, il peut pas s'échapper lui parce qu'il est mort. Slash and battle. Ouais, j'ai mal géré ce coup. On va arrêter avec succès, heureusement. Je pense que je dirais de prendre la chasse. Sur oui, voilà, nickel. Hop, vague psy. Ouh, il fait mal. Allez, je peux pas faire un bon coup critique. Ah, il fait mal quand même. Bon, moi aussi, choc mental. En fait, c'est débile, il est plus rapide en fait que lui. Ok, ouais, normalement, je. Oh, psy, confus, ouais, c'est bon, bah. Hop, voilà, KO, nickel. 15, 16, 17, pim, coquillame, ouais, un peu mieux que tourniquet. Lunette, filtre, ouais. Ah, nickel. Nickel, il évolue. Tout, tout, tout. Le petit moustillon, il évolue en mateloutre. C'est ça, hein, si je me souviens bien. En fait, c'est le moussaillon qui va devenir un matelot et qui deviendra un amiral. Ok, donc un clamiral, hop. Ouais, non, non, eux, je peux pas les tenter. Je ne peux pas, c'est trop compliqué. Là, un rapace des piques, lui, je crois qu'il n'a pas de sous-évolution, lui, hein. C'est directement rapace des piques. Ah non, 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 bah non. C'est on va dire au carnage, piaf à bec. Ouais, je crois que c'est. Piafabec, après il arrive en rapace des piques. Je sais plus, putain. Piafabec, ensuite. Ouais, je crois que c'est rapace des piques juste après. Ouais, dans Pokémon Go, je crois que je me rappelle, c'était ça. Voilà, nickel. Un petit écrapince, ça fait toujours plaisir. Bah, ça c'est recarnage, je vais attendre un peu. Vous voyez que là, quand même, les boss ils spawnent. Enfin, quand c'est en freeze, il y a beaucoup de boss qui spawnent. Enfin, les boss, c'est les méga surtout, hein. Parce que. Ils ont été remplacés par ça en fait, je pense, les boss. Enfin, en tout cas, dans les tours après, il y a les vrais boss, mais. Ouais, il y a beaucoup de. Beaucoup de méga. Je sais pas du tout à combien de minutes on est, j'ai pas regardé. C'est pas professionnel tout ça. Mais bon, au pire, on va capturer encore 2-3 Pokémon et. Puis voilà, tranquillou quoi. Ouais, du coup, voilà, quand c'est sûr qu'on est en slash freeze, il y a moins de Pokémon qui spawn. Il y en a quand même, mais il y en a moins. Tiens, allez, toi. Hop. T'es pas shiny, toi? Non, t'es pas shiny, on dirait.
Hyper Ball, sinon je mettrais Erisandre. Enfin non. J'ai déjà oublié son nom. Oh, nickel, j'ai capturé. Par contre, je sais pas si si vous entendez des cris derrière, en tout cas je suis désolé. C'est qu'à côté de moi il y a un gîte, du coup bah ça parle un peu fort. Bon tant pis hein, il s'amuse, il faut. Allez Coxy. Alors Coxy je l'ai pas, bon voilà, hop, je l'ai maintenant. C'est marrant comme ça, hop, tu captures. Bonjour, au revoir, c'est pour moi. Ah là-bas, encore un méga tortank. Oh oui, méga tortank. Check. Ah là-bas, il y a des barbichats. On ira en capturer, bien sûr. Ah, c'est bizarre son petit logo en haut à gauche là de tortank en tout son level. Ah oui, ok, non, je le voyais pas comme ça en fait. Genre j'ai pas tapé là. Moi je tape plus fort, voilà. Ah merde, parce que j'ai fait. Ouais, régénération. Bon allez, je peux le mettre un bon coup. Allez hop, c'est débile, normalement tu le termines. Choc mental. Hop, et le petit dernier. Ça s'il me fait un coup critique. Oh, j'étais pas loin. 18-19. Ah. Hop. Un super bonbon. Un petit poké heal. Donc au pire on va capturer les petits barpo. Ah, attendez, je vais récupérer la pierre. Ah, c'est pas barpo, c'est barbicha. Non, barbicha c'est son évolution. Lui je sais plus c'est quoi. On va voir ça. Tac, une petite pierre. Un fragment. Barloche, voilà. Oh merde, on fait. Des fois il y a des bugs, on peut pas faire retour. Lui, je vais faire un contre. Voilà. Il m'a tapé, mais je pense pas que je peux le faire. Faire plus de dégâts. Oh là non. Ouh là. Parce que là, par contre, là, moins j'ai de vie, plus je te fais mal. Hein. Oublie pas que je suis level 51. Ah, il est sorti. Ah, non. Non. Ah, je pense qu'il est là. Nickel. Un petit barloche. Ça fait toujours plaisir. Là, j'ai vu un Pokémon là. J'ai vu le petit Pokémon. Ah, il y a encore une pierre. On va aller la choper. On sera content comme ça quand on aura une Pokémon qui évoluera avec une pierre. Oh, j'ai pas de nom en tête. Hop là, nickel. Hop. Ouais, toujours les rapaces des pics. What, c'est quoi ça? Ah, crise acier, est-ce que c'est le premier? Oui, c'est le. Non, non, non. Non, c'est Aspico. Ou Aspico ou Chenille Pan qui évolue en crise acier. Ouais. Vas-y, je lance une. Au cas où. Voilà. C'est pas grave. Il est tout seul, Miskin. Faut qu'il vienne à la maison. Ah, il s'est libéré. Bon, bah. Ah, là-bas. Ah, mais non, c'est pas les premiers, ça. C'est pas les premiers. Un méga, bon allez, au pire on va faire ce méga et puis on va arrêter. Oh, il y a deux mégas, on va faire ces deux mégas, on arrête. Oh, 3 mégas, 4 mégas. Ah, regardez, il y a un canon qui dépasse du sol là à droite, là en bas à droite. Là, bon, lui, on va le laisser crever. Ça va, toi, ça se passe plutôt bien. Ah, t'as pas trop l'impression d'être oublié, oublié de tous. Hop. Allez. Méga Tortank. Allez là. Hop. Des vagues psy. Boum. Nickel. Encore. Ah, nickel, je peux le terminer. Oh, genre. Ouais, c'est bon. Hop. 20-21. Nickel. Taillade. Oh. Un coup de faux ou de griffe. Oh, je vais l'enlever. Encore un multi-exp, oui, je dis oui. Hop, deux multi-exp, donc j'en ai trois en tout. Bon, ça me sert un peu à rien, parce que c'est... Comme je vous l'ai dit, si on met deux multi-exp sur deux Pokémon, enfin, s'il y a deux multi-exp qui sont en cours, entre guillemets, et ben, vous y spé plus rien, quoi. C'est encore divisé par deux. Oh! Ah, putain, mais c'est pas Carapuce. C'est pas Carapuce. Oh, merde, attendez. End battle. Poké-heal. Non, c'était pas une très bonne idée de te lancer toi. Hop. Voilà.
Vague psy. Putain, par contre, il parle fort, je suis sûr que mon micro il va les entendre. Hop. Allez, allez, tu peux le faire. Oui, c'est bon. Là, encore un coup, il est mort. Voilà. L22, torte en kit. Bah, pourquoi pas deux, hein. Pourquoi pas deux. Merde. Voilà. Ah, et du coup, là, le petit Carabaf. Ouais. Mais bon, je préfère avoir un Carapuce. Je vais t'envoyer une seule Hyperball. Oh, ils sont tous là. Oh, un Shiny en plus. Oh, bah tiens. Ouais, non. De toute façon, je veux Carapuce. Ouais, je sais pas. Je te veux pas. Bon, allez, le dernier chez dernier. Ouais, j'arrête pas de dire c'est le dernier. M'en voudrais pas. Allez. Boum, encore. Et là. Puis c'est une zone qu'on avait pas. On n'était pas allé ici. Ah là, il me fait un peu plus mal. Eh, je fais rien là. Une bonne défense celui-là. Je suis pas sûr de gagner, hein. Ah, quoique, j'ai fait un bon coup là. Là, j'ai fait un bon coup. Oh, coup critique. C'est moi qui a fait coup critique. Ouais, nickel, c'est bon. Hop, level 23. Blast Tourney Journaliste. Crâne de Wither Squelette. Ouais, bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Crâne de Wither Squelette. Je sais pas d'où il a eu son crâne, mais. J'ai pas envie de savoir. Bon. Cette fois-ci, c'est la bonne. À moins que là, il y a un Pokémon de ouf qui spawn, genre. Ah bah, les tiens. Lui, il a dit, ouais, s'il te plaît, j'aimerais bien que tu me captures avant la fin de ton épisode. La tienne, c'est incapable de se battre. Mais si, regarde. Voilà, c'est pas. Non mais oh. Hop, Hyperball. Allez, viens. Donc je pense que je verrai qu'aussi l'épisode prochain. Donc voilà, je tenais à vous le dire. J'ai un peu d'avance parce que des fois là pendant 2-3 jours je mettais pas de vidéo. Alors que je pouvais, c'est juste que j'ai pas une très bonne co, du coup je suis obligé de le faire le soir. Sinon ça me. Oula bah il est dur lui. Parce que déjà le troll il m'avait pris un jour en retard parce que j'ai eu une coupure de courant. Donc bah je suis obligé de retarder d'un jour hein, pour une simple coupure. Oula putain. Bon. Je pense que là on est plutôt bien. Ah bah allez. On va jamais le finir cet épisode. Mais tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Hop. C'est instinct ça je pense. Avant c'était trop court. Hop. En plus on termine la nuit quoi, c'est bien. Putain, tous les. Ah ouais mais moi je peux pas vous faire vous. On va. Au pire, pour le prochain, je vais me déplacer à un endroit où il y a beaucoup de Pokémon haut et puis on va essayer de faire quelque chose. Bref, en tout cas, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire voilà, si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Pixelmon. Allez, bye tout le monde.